dans le pays oriental, il y a un autre élément, cinquième élément, qui signifie différent selon le pays. Et dans la philosophie bouddhiste japonaise, le cinquième élément, c'est le ciel ou l'éther. Je voulais associer cette philosophie avec la musique. Donc je viens de jouer la fantaisie de Mozart, qui est considérée parfois la musique du ciel. Et maintenant, on passe à l'univers de l'eau avec la musique de Lucie. Après, l'air avec Chopin, parce que je sens le vent dans beaucoup de passages dans les œuvres que je vais jouer, fantaisie impromptue et la première balade. Et la seconde partie, je vais entendre le troisième cahier d'Iberia, d'Isaac Albéniz. Et dans cette musique solide et rustique, je sens le caractère de la terre. Et à la fin, je joue l'oiseau de feu, et bien sûr, ça représente le feu. Et l'oiseau vole dans le ciel. Donc, mon programme commence et termine avec l'élément du ciel. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et bon voyage. Croissy, pour moi, c'est pas une petite ville. Pour moi, c'est pas une petite, juste une petite ville parce que je connais assez bien. Parce que je vivais en fait à Montesson et quand je suis arrivé en France pendant un an, et donc je prenais le RER et je passais tous les jours au château Croissy. Thank you.
moi, c'est un grand plaisir de pouvoir jouer dans cette salle magnifique, l'espace Jean-Louis de Croissy-sur-Seine, pour la première fois. Extraordinaire, c'était un magnifique concert. Moi, je sais que c'est un des plus beaux concerts que j'ai jamais vu. Et je pense qu'on a eu la chance aujourd'hui de découvrir, pour certains, je pense, l'un des plus grands pianistes de sa génération. Peut-être pas le plus grand, hein, mais certainement un des plus grands pianistes de sa génération. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur toutes les radios de musique classique en ce moment. C'est vraiment, on a vraiment eu beaucoup de chance de la... Mais la question que je voulais poser, justement, pour un pianiste de ce niveau, pas trop compliqué de le faire venir à Croissy? C'est une question de relations, de choses comme ça, de moyens éventuellement. Là, on l'a connu avec un certain nombre de relations, donc on a pu se l'offrir. Et je pense que de toute façon, ils sont très contents de trouver des publics de la qualité de celui qu'on avait aujourd'hui. Eh bien, merci et félicitations encore. Ça demande combien de temps de préparation, de répétition? Bon, c'est un peu difficile de dire parce que chaque œuvre, j'ai une relation particulière. Et il y a des œuvres que je connais depuis 10 ans, même 15 ans.
la fantaisie impromptue, j'ai joué pour la première fois quand j'avais 10 ans, donc ça fait 20 ans quoi. Et mais l'oiseau de feu, ça fait 3 mois, 4 mois que je joue, donc c'est toujours très varié. Mais quand même, ce thème de 5 éléments, ça c'est assez nouveau, et j'ai monté cette année, cet été, donc j'ai joué ça en Argentine, et en Allemagne, au Japon, et maintenant en France. Donc, je suis très, très content d'avoir fait ce programme ici. Eh bien écoutez, je vous félicite et encore merci et bravo.